Alors, mon projet, c'est la domotique pour le maintien à domicile pour les personnes âgées. Nos seniors ont de plus en plus besoin de rester à leur domicile. Donc, on a mis en place toute une politique de maintien à domicile, donc avec des infirmières et tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on a mis la domotique à leur service, c'est-à-dire que pour fermer des volets, des détecteurs de fuite de gaz, de fuite d'eau, mais aussi des serrures connectées pour les sécuriser dans leur domicile. Donc, que ce soit un déverrouillage avec des empreintes digitales ou des téléphones ou des clés codées. Donc tout ça qui nous permet de les maintenir encore plus longtemps à domicile. Alors moi je viens, j'ai été salarié pendant 20 ans dans le monde des télécoms. J'ai créé mon entreprise il y a 3 ans dans la fibre optique et en discutant avec des médecins, des infirmières qui m'ont demandé, comme je faisais de la fibre optique et de la domotique, qui m'ont demandé des solutions à apporter pour aider les anciens à rester chez eux. Et c'est de là qu'est venue la domotique et le maintien à domicile. On a découlé il y a maintenant 1 an que je bosse sur le projet. Et donc je participe au trophée par le biais de Gilles que j'ai rencontré un jour à Parigny par hasard et qui m'a convaincu de participer. Et donc voilà, je suis là ce soir.